Les casques bleus égyptiens de la compagnie de transport lourd de l'Égypte ont organisé le 25 avril 2023 une campagne médicale suivie d'une distribution d'eau potable et de vivres aux habitants du quartier Yambassa dans le 5e arrondissement de Bangui. Ces activités comprennent, comme vous voyez, une campagne médicale au profit des enfants et des adultes, aussi la distribution d'approximativement 800 pièces d'habillement et enfin la distribution de 10 000 litres d'eau potable. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités civilo-militaires. Elle vise à faciliter l'accès des personnes vulnérables aux soins de santé et à fournir une eau potable aux populations afin de raffermir les relations entre la force de la MINUSCA et la population. Nous éprouvons des difficultés dans l'approvisionnement en eau potable. Nous avons également des problèmes de santé. C'est pour cela que les casques bleus de la MINUSCA ont volé à notre secours. Ils nous ont distribué de l'eau potable et ils nous ont consultés dans notre école coranique. La clinique mobile du contingent égyptien a porté une assistance médicale à plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants. Fatime Boukar, l'une des habitantes, en témoigne. Nous sommes comblés de joie parce que c'est depuis le ramadan que nos frères nous fréquentaient. Ils nous assistaient et échangeaient avec nous. Aujourd'hui, ils nous ont apporté des médicaments et ils nous ont consultés. Mustapha Mahmoud El Adli, commandant la compagnie égyptienne de transport de la MINUSCA, a remercié la population du quartier Yambassa pour leur avoir donné l'occasion d'être parmi eux, pour leur apporter soutien et assistance. Encore une fois, je les remercie et je leur souhaite tout le bonheur et le bien-être. J'espère que ces occasions se reproduisent plusieurs fois. Nous sommes et nous serons toujours en parfaite collaboration avec eux. Spécialisés dans le transport, les premiers éléments de la compagnie militaire égyptienne sont arrivés à la MINUSCA le 4 février 2015. Il est important de rappeler que le contingent de la compagnie égyptienne de transport de la MINUSCA joue un rôle très important au sein de la MINUSCA. Elle assure les deux tiers du transport de la mission.